Suleiman Mzichek, ancien musicien de, et chanteur du groupe Asmin Alan Domine, et fondateur et musicien, auteur-compositeur du groupe Mouizi de la Grande Comore. Après 10 ans d'absence, sans quelque chose de nouveau pour les amis, pour les fans, je vous annonce que bientôt le retour, disons l'année prochaine, pour un nouvel album, de nouvelles chansons et une tournée qui se prépare un peu plus professionnelle. Je suis de retour au pays, je passe un petit moment à Mayotte pour me ressourcer entre les quatre sides, retrouver mon ancienne inspiration, l'améliorer avec les nouvelles technologies, les nouvelles sonorisations, sonorités, pour vous faire plaisir. Tunda la winguni raire wa duniani risiki ula molewa ukawindura mliwa inotunda la winguni. Mes anciennes inspirations, c'était d'abord la musique traditionnelle, le toit arabe que j'ai beaucoup chanté, que j'ai beaucoup composé. Il y a le folk que nous a bercé avec nos anciens qu'on a essayé d'imiter, chanter, jouer les guitares comme eux, et la musique du monde, de tout horizon. Mais surtout, je veux retrouver la sensation de la musique je peux me permettre de dire Made in Comore, une musique qui sera moderne, mais une musique de chez nous. Ça va ressembler à un torab, un peu, comme vous le savez. Torabou à la comorienne. Donc, on m'appelle, avant c'était le djaliko, c'était le mama, c'était le maïbio. Jouer avec les moyens du bord, tout ce qu'on aura comme moyen de sonorité, tout ce qu'on va chercher. Alors quand je reviens, je dois faire quelque chose pour vous plaire ou je fais rien. Et maintenant je suis pris à... Je pense que je suis assez reposé, ça fait 7 mois que je suis au Comore. Et les choses commencent à revenir. Après 20 ans d'exil en France, maintenant, j'arrive au Comore, j'ai rapporté l'expérience des scènes internationales que j'ai fait, les grands musiciens que j'ai partagé la musique avec eux, et ce que j'ai écouté. On va essayer de faire une musique qu'on pourra dire au monde entier que ça, c'est notre musique. On peut parler d'une absence enrichissante. Le voyage est très enrichissant. J'étais près de la frontière en Suisse, en Allemagne, on a fait des tournées en Belgique, en Hollande. Après le recul, on se dit, ah ouais, là j'ai appris beaucoup de choses. Mais vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu la chance de passer quelques temps en école. C'est pas pour apprendre à jouer le jazz comme les jazzmen, c'est tout juste la recherche d'autres sonorités, d'autres manières de jouer. Et c'est très enrichissant, je regrette rien. Ema picha minga minga.